Autre point technique, ils doivent répondre à un questionnaire que je leur ai transmis il y a quelques jours, autour de 8 questions thématiques. 8 questions thématiques sur lesquelles ils devront répondre assez précisément et débattre et élargir leur champ d'investigation pour répondre à cette même question. Les candidats, les représentants pardon, des candidats peuvent s'interpeller entre eux dans la limite du respect de la parole de chacun et débattre entre eux. Autre point technique que j'oublie, moi j'ai contacté chaque organisation politique pour qu'elle me désigne un représentant de leur famille politique afin d'être représenté durant ce débat. Et encore une fois, je vous remercie individuellement d'avoir accepté de participer à ce débat, d'avoir joué le jeu après de la représentation. Alors, pourquoi deux choses encore? Pourquoi seulement 5 candidats? C'est un choix que j'ai fait, que j'assume. J'ai pris comme critère extrêmement simple la barre symbolique des 5%. Donc ne sont représentés aujourd'hui que les candidats principaux qui dépassent cette barre symbolique. C'est un choix, c'est un critère, j'ai posé un cadre, je l'assume. Si aujourd'hui quelqu'un considère que c'est un déni de démocratie de ne pas avoir organisé un débat à 13, libre à lui de l'organiser, je m'y rendrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. 13. Autre point technique, il m'a semblé aussi important, durant les dernières semaines, la campagne présidentielle a souvent été peut-être occultée ou polluée par les affaires que nous connaissons tous. Je me suis adressé à eux individuellement en leur demandant respectivement de ne pas développer ces affaires et de mettre en avant les programmes. Ces dernières semaines, les programmes ont souvent été occultés, peut-être par les affaires, au détriment du véritable enjeu et du véritable débat présidentiel. Donc, l'important ici, c'est le fond, ce sont les programmes, beaucoup plus que les personnalités de chaque candidat, mais c'est de mettre en avant, encore une fois, le programme à travers des questions thématiques que je leur ai adressées. Il nous reste environ 20 jours pour décider quel candidat arrivera en tête pour accéder à la magistrature suprême. Le débat d'aujourd'hui n'a pas lieu d'exalter un candidat ou un autre ou de le condamner, mais plutôt d'expliquer. C'est dans cette démarche que j'ai construit, que j'ai imaginé ce débat, mettre en avant le débat, les échanges, rapprocher, réduire l'écart entre la parole et les actes politiques. Et enfin, pour terminer, je conclurai là-dessus, merci aussi à chacun d'entre vous, il fait beau, nous sommes à Strasbourg, il y a énormément d'autres événements prévus aujourd'hui. Merci aussi à chacun d'entre vous d'être venu aujourd'hui et je compte sur votre vigilance, sur votre discrétion, sur votre confiance, sur votre amitié pour ne pas trop les secouer. Merci. Bonjour, merci. Ben, on va commencer le débat sans plus attendre. On commence avec le service public. Est-ce que le service public de demain, il se fait avec plus ou moins de fonctionnaires? On commence avec vous, Bernard Ricciardo, on va aller dans ce sens. Après, on alterne. Donc pour Benoît. Il est penché. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, juste un petit mot, ça sera décompté de mon temps de parole, mais remercier Rue 89, Robert Pelchard et la librairie Kléber pour qu'on puisse enfin, dans cette campagne, parler de fond. Et je crois que c'est important. Donc merci à eux d'avoir lancé cette idée de débat. D'abord, avant de répondre à la question plus directement, plus ou moins de fonctionnaires, je voudrais rappeler ici ce que c'est que le service public. Le service public, c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. C'est un bien commun et c'est ce qui permet au socle républicain, ce qui fait la base du socle républicain. Alors pour Benoît Hamon, pour les socialistes, les écologistes et le Parti radical de gauche, eh bien, dans une société qui se fragmente de plus en plus, dans une société qui connaît des fractures sociales de plus en plus importantes, des fractures territoriales
de plus en plus importante, et pas seulement entre la campagne et les centres urbains, mais aussi au niveau des centres urbains, dans des territoires ruraux entre eux. Eh bien, ce n'est pas de moins de services publics qu'il faut, c'est de plus de services publics, plus forts, plus efficaces. Et ce que propose Benoît Hamon et ses alliés, c'est d'avoir un véritable pacte de services publics. C'est quoi ? C'est de dire que, dans un rayon de 30 minutes, il faut que chaque citoyen, parce que c'est ça le cœur de notre projet, que chaque citoyen puisse trouver à sa disposition un service public de santé de qualité, un service public en termes de sécurité, donc des forces de police de proximité, qu'elles soient de gendarmerie ou de police nationale, et trouver aussi des points, des relais des administrations. Avec un critère supplémentaire, c'est qu'il y a aujourd'hui des territoires qui sont laissés pour compte, et c'est de contractualiser plus fortement encore avec ces territoires délaissés, de manière à ce qu'il y ait des territoires prioritaires sur un plan de déplacement. Voilà. Très bien, on passe à la parole à Jean-Lucère pour Marine Le Pen. Je vais rebondir sur un des propos de Robert Betchat qui concerne les affaires. Non, on va sans doute pas parler des affaires, mais j'aimerais juste parler de l'atmosphère de la campagne et rappeler que et les médias et la justice qui ont été plus ou moins responsables de ce climat devraient peut-être effectivement penser à se remettre en question sur ces affaires-là. En ce qui concerne le service public, je suis content d'entendre Madame Machardot nous expliquer qu'il faut plus effectivement de service public. Alors ça fait des années que les différents gouvernements de droite et de gauche cherchent à détruire ces services publics. Je suis content d'entendre que finalement il en faut plus. En attendant, les postes ferment dans les milieux ruraux, les agents ne sont plus fiers de leur travail, il suffit de voir le taux d'absentéisme monstrueux à la communauté urbaine de Strasbourg. On verse des milliards dans des zones de non-droit, alors qu'il y a des centres complets dans les campagnes, notamment, qui ne profitent pas de ces mannes financières. Marine Le Pen propose notamment la réactivation du service national, on en reparlera tout à l'heure, avec environ 80% de personnes qui pourront s'investir dans des structures civiles. Il y a aussi à noter que mon camarade de gauche, qui représente François Fillon, devra nous expliquer pourquoi il y a constamment les critiques contre ces services publics et pourquoi François Fillon veut en quelque sorte de plus en plus les privatiser et laisser des intérêts privés s'engouffrer par exemple dans la sécurité sociale. Enfin, on a parlé d'égalité territoriale et des citoyens effectivement accès aux transports, soins, écoles partout où on est en France, en Outre-mer et dans les campagnes. C'est évidemment essentiel, notamment pour la vitalité des campagnes. J'étais à Moutique il y a quelques jours pour un tractage, j'étais effaré de voir que cette ville, au fur et à mesure, meurt. Ce ne sont pas que les services publics, ce sont aussi des commerces qui ferment, ce sont des gens qui, au fur et à mesure, abandonnent ces villages. Voilà, c'est tout. Voilà, bonjour tout le monde. Pour moi, c'est une découverte ici, cette salle blanche à la Villa de Kléber. Je viens du côté de Luxembourg, mais je suis très heureux de vous saluer nombreux ici. Alors, sur cette première question concernant les services publics et les services publics de demain, j'ai envie de dire d'abord que l'inégalité territoriale est une chose insupportable. Et que selon les endroits où on habite dans ce beau pays qu'est la France, on n'a pas les mêmes opportunités d'accéder aux services publics. Il y a une concentration de population et des richesses dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Et je dois dire que la loi MAPTAM qui a été votée en 2014 a fait la part belle aux métropoles qui, elles, évidemment, organisent la gestion des services publics et ça de manière tout à fait remarquable puisqu'il y a les possibilités de transport, d'accès aux médecins, à l'école, etc. La justice, la sécurité, tout y est. Dans cette loi MAPTAM, on a les régions qui s'occupent principalement de développement économique, on a les départements qui s'occupent de solidarité sur le territoire, de l'action sociale, et on a les communes, et les communautés de communes, qui, elles, doivent être organisatrices des services publics de proximité. Et pour avoir ces services publics de proximité, il faut aussi quelques moyens. C'est pour ça que François Fillon a sillonné la France pendant 3 ans, il a rencontré les Français, et il a regardé comment ça se passe sur le terrain. Il n'accepte pas que sur certains territoires, il y ait
qu'ils soient vidés de leurs emplois, qu'ils soient vidés de leurs services publics. Et c'est pour ça qu'on constate aujourd'hui une véritable dégradation sociale et économique. Alors, quels sont les services publics de demain? La première chose, François Fillon propose un véritable plan de revitalisation de la ruralité. Et pour y arriver, donc la gauche au pouvoir, en 2013, a voté un grand plan sur le très haut débit partout pour 2022. La seule chose, c'est qu'au niveau de la Cour des comptes, on n'était pas tout à fait d'accord sur son coût. On parlait de 15 milliards au départ. On constate aujourd'hui que c'est plutôt 25 milliards qu'il faudra considérer. Et François Fillon s'engage à effectivement avoir le très haut débit en 2022 partout. Ensuite, il veut ouvrir dans la ruralité des maisons de services publics avec notamment l'aide des collectivités locales, des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Les services de santé, appliquer un numerus clausus, lutter contre la désertification médicale, et là aussi faire en sorte que les médecins généralistes puissent trouver toute leur place à travers cela. Et donc il faudra désenclaver les transports, et donc je m'arrête là-dessus, puisque des services publics comme la Poste trouvent très bien leur place dans des commerces de proximité. Donc on passe à Bruno Super pour Emmanuel Macron. Bien, merci beaucoup. D'abord, quelques mots pour vous saluer. Pour vous prévenir aussi qu'il y a quelques militants en marche dans la salle qui partiront plus tôt, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'ils ont une autre opération. Donc, n'en profitez pas pour dire qu'ils trouvent que le discours de leur préférant est vide ou quoi que ce soit. Donc, vous pourrez partir tout à l'heure à 14h. Je sais que vous êtes attendu à quelque part ailleurs. Donc, je n'oublie pas de répondre à votre question. C'est-à-dire, voilà, quel est le service public de demain? Est-ce qu'on va le faire avec moins de fonctionnaires? Donc, parce que pour le moment, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Donc le service public de demain, pour nous, ce devra être un service public modernisé, parce qu'il faut absolument prendre le virage du numérique dans nos administrations. Ce sera un service public rationalisé, et revenir sur le nombre de fonctionnaires pour répondre sans langue de bois, et réorienter avec un service public qui est plus là pour conseiller les citoyens plutôt que les sanctionner parfois ce qui arrive. Rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel Macron était très clair, j'ai le premier donc à lui donner des chiffres, il s'est engagé à réduire le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d'État et territoriale, de 120 000 postes de non-départ à la retraite, de départ à la retraite non remplacés. C'est sur la table. Comment est-ce qu'on va y arriver? Parce que je partage le point de vue de Bernard Richardot, c'est-à-dire que le service public, c'est ce qui existe pour ceux qui n'ont pas d'autres patrimoines. Eh bien, on pense qu'on peut faire plus avec moins de fonctionnaires. Ah, attendez. Alors, bien. On peut faire plus avec moins de fonctionnaires dans certains domaines, notamment avec la numérisation, puisque l'objectif c'est de rendre d'ici 2022, ce sont nos propositions, merci de les écouter, après vous mettrez le butin de vote que vous voudrez dans l'urne. Nos propositions, c'est de dire que d'ici 2022, sur un certain nombre de choses, à part les papiers d'identité notamment, on arrivera à une dématérialisation des procédures. Ensuite, un service public qui aura aussi les moyens de ses ambitions dans certains domaines qui ont été mis en avant. L'éducation, avec une augmentation des moyens, un recrutement de 5 000 enseignants. La justice, parce qu'il y a un engagement à créer 15 000 places de prison, et 15 000 places de prison, ce n'est pas juste des vies dans des prisons, c'est aussi tous les services qui vont à côté pour que la prison devienne quelque chose d'efficace dans ce pays. Une augmentation des moyens de la police et de la gendarmerie, avec 7 500 policiers et 2 500 gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. Et enfin, une augmentation des moyens de l'armée. Donc, un service public qui aura les moyens de ses ambitions. Et enfin, parce que nous, une de nos convictions très fortes, je l'affirme aujourd'hui, c'est l'Europe, un service public qui sera européanisé, avec des rapprochements entre les pays qui souhaiteront faire, pour offrir un service public à l'échelle de l'Europe. Voilà, je ne sais pas si... 2 minutes. C'est bon. C'est on termine avec Sylvain Brun. Alors, pour ma part, je suis très satisfait d'entendre une ode au service public ici. Le représentant de M. Fillon a juste oublié de dire que dans le programme, il supprimait 500 000 postes Je reviendrai. Bernard Richardot, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, mais il y a eu des postes supprimés dans le quinquennat qui s'est passé. Je voudrais rappeler que le service public, c'est le bras armé de la République. Et quand je dis bras armé de la République, j'ai été fasciné toutes ces dernières années d'entendre, que ce soit de la part de Sarkozy ou de M. Valls, dès qu'on parle de République, on parle d'ordre républicain. Ils assimilent la République à la matraque, au bâton. C'est une pure imposture. La République, avant tout, c'est quoi? C'est l'abolition des privilèges. Et pour abolir les privilèges, ça ne peut se faire qu'avec un service public fort, vu que le service public est le capital de ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi nous proposons de recruter 200 000 postes de fonctionnaires.
à la fois dans l'éducation, dans la santé, regardez le travail des infirmières aujourd'hui, c'est juste absolument impossible. Dans la police, dans la justice, dans les inspecteurs des impôts, et surtout le parent pauvre de toute la fonction publique qui est pourtant essentielle, les inspecteurs du travail. Autrement dit, la République est une magnifique idée, mais elle est vaine si elle est une idée abstraite. La République ne peut exister que si elle a une force matérielle à son service, et la force matérielle au service de la République, c'est le service public. Juste, d'abord, Benoît Hamon s'engage aussi pour un service public dont on n'a pas du tout parlé ici dans cette tribune, c'est l'hôpital. Parce que c'est extrêmement important, les services de santé, d'en faire quelque chose de prioritaire au regard de ces fractures sociales qui se créent. Juste, j'ai entendu les chiffres, 120 000, 500 000. Chez Emmanuel Macron, il y a aussi 60 milliards de moins investis dans les services publics. Et moi, j'aimerais qu'on nous dise quels sont les services publics et qu'on me dise aux citoyens des villes et des campagnes. Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui accompagnent les entreprises vers plus de développement économique qui seront demain supprimés ? Est-ce que ce seront les dames dans les cantines qui servent les repas aux enfants qui seront supprimées ? Est-ce que ce sont les agents territoriaux qui travaillent sur les questions de voirie qui seront supprimés ? Qu'on aille au fond des choses. J'ai entendu parler de services publics européens. C'est très bien, c'est sans doute une très bonne idée. Il faut d'abord commencer par l'essentiel, qui est l'harmonisation sociale au niveau européen, et qui consiste à créer un nouveau traité de démocratisation européen, de manière à pouvoir aborder ces questions avec les citoyens et de mettre au cœur de nos projets le service public et non pas juste les principes d'avance. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a 60 milliards d'euros en moins pour les Bénéfices, puisqu'on prévoit un plan d'investissement de Bénéfices pour modernisation d'État pour 15 milliards d'euros. 60 milliards. Non, vous avez mal lu le programme, 60 milliards, c'est les économies. Mais je comprends qu'on soit davantage intéressé par son propre programme que par celui des autres, il n'y a pas de souci. Mais on est sur 60 milliards d'économies par an à la fin du quinquennat en résultat de l'investissement qui est prévu. Et pour la fonction publique d'État, il y a une modernisation de celle-ci qui est prévue à hauteur de 15 milliards d'euros. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Ensuite, au niveau des fonctionnaires qui seraient supprimés sur la fonction publique territoriale, ce seront aux collectivités territoriales de s'engager dans la réduction des dépenses publiques. Et cela, ça se fera avec une méthode. On ne va pas arriver en disant tel emploi va être supprimé, celui-ci va être supprimé. Je pense qu'il faut faire confiance aux élus qui sont sur le terrain pour trouver des solutions. Voilà. C'est une méthode, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on va diminuer l'argent attribué au service à la hauteur de 60 milliards d'euros. C'est pour les collectivités. Mais non, c'est pas l'État qui pour les collectivités. Puisque tout à l'heure, on a entendu sur la réduction de nombre de fonctionnaires que nous assumons totalement, je voudrais quand même rappeler que François Fillon, c'est le seul qui se préoccupe de la dette. La dette de 2 postes de policiers qui est prévu. Au niveau des prisons également, au niveau de la sécurité, un certain nombre d'actions sont en prévision. Et globalement, si on arrive à faire baisser le chômage, si on arrive à avoir de nouveau de la croissance, dans ce cas-là, on arrive à augmenter les recettes. Et il faut réellement se préoccuper de la dette de la France, je le répète, qui est à 100% du PIB. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut agir sur la fonction publique. Il s'agit également d'avoir de la qualité de vie au niveau du travail. Et c'est vrai qu'au niveau des 35 heures,
on peut se projeter un petit peu dans l'histoire, regarder un petit peu toutes les améliorations qu'on a eues par rapport à l'avènement des 35 heures il y a 20 ans et par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut se préoccuper aussi de la qualité de vie au travail et pas seulement de la quantité du nombre de fonctions. On passe à l'auteur qui est peu évoqué dans la campagne, c'est l'éducation. Est-ce que vous pouvez combien il faut d'élèves Merci de faire une question sur l'éducation, thème absolument central. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais au cours de la Troisième République, quand j'étais pas né, il y avait une devise qui disait qu'un peuple éduqué est le premier des peuples, et je pense que c'est tout à fait vrai. L'éducation, c'est un thème central. Or, bon, la question est axée sur le nombre d'élèves par classe. Moi, j'ai la chance d'être enseignant, c'est un très beau métier. Cette année, je fais la comparaison, j'ai des classes à 25, j'ai des classes à 35. Je peux vous assurer que la qualité du travail n'est pas la même, l'entente de la classe n'est pas la même. Idéalement, il faudrait 25 dans le secondaire et 20 élèves maximum dans le primaire. Cependant, je pense que pas un seul candidat ne peut s'engager en disant dans toutes les classes de France, il n'y aura pas plus de 25 élèves. Ça dépend de plein de contraintes, les inscriptions dans telle ou telle filière, les bâtiments qui ont tel nombre de salles pour accueillir les classes. Par contre, on peut s'engager sur le nombre d'enseignants. Et le programme de la France Insoumise propose d'engager 60 000 enseignants sur 5 ans, à la fois pour ouvrir de nouvelles classes et pour diminuer le nombre d'élèves par classe, et à la fois pour recruter des enseignants remplaçants qui ont fait les frais de toute la politique Sarkozy-Fillon. Je me rappelle très bien, il disait il y a des enseignants qui sont remplaçants, ils sont toute la journée chez eux, ils sont payés, ça ne sert à rien. Résultat, la dernière année scolaire, il y a eu 22 000 journées de classe non assurées parce qu'il n'y avait pas de professeurs remplaçants. Donc aujourd'hui, il est absolument nécessaire, vu qu'en France, encore un ancien dicton disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vu que les idées, ça se forme avec l'éducation, il faut investir massivement. Et donc, 60 000 engagements dans la fonction publique de l'éducation nationale, c'est ce qu'on propose. Bien, alors, l'effort sur l'éducation, il a été fait, il a été entamé ces dernières années. Il faut le souligner, il y a des choses où on va aller plus loin, mais il a été entamé ces dernières années. Pour répondre précisément à la question, il ne s'agit pas aujourd'hui, à notre sens, de trouver un nombre d'ordre, un nombre d'élèves qui seraient parfaits par classe. Parce que tout simplement, ce nombre dépend de plusieurs facteurs. Il dépend des matières. Il est évident que si on veut enseigner les langues, à mon avis, une quinzaine d'élèves par groupe, pour que les élèves aient un temps de parole suffisant, c'est un nombre qu'il ne faudrait pas pouvoir dépasser. Il y a des matières ou des moments, à certains âges des élèves, on peut certainement aller plus loin. Moi, j'ai eu la chance, alors, vous allez dire encore un prof, c'est pas de chance. J'ai enseigné dans les classes Abibac. Abibac, c'est l'abitur au baccalauréat, c'est 2000 élèves en France, en gros. C'est les très très bons élèves. Puis j'ai décidé d'aller en ZEP, aujourd'hui la REP. Le bon nombre d'élèves, il varie fondamentalement d'un établissement à l'autre. Donc c'est aussi à cet égard-là que nous, on veut donner plus d'autonomie pour permettre au personnel et au personnel de direction de choisir en fonction des matières, en fonction des territoires, en fonction des âges, le bon nombre d'élèves. Ensuite, proposition très concrète. Pour l'apprentissage des fondamentaux, les matières, on va dire, le français, les mathématiques, qui font que le premier décrochage scolaire, c'est au CE2. C'est là qu'a lieu le premier décrochage scolaire. On s'engage dans les zones, déjà aujourd'hui, en éducation prioritaire, ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire ou les réseaux d'éducation prioritaire plus. On s'engage à dédoubler le nombre d'élèves par classe en REP, en CP, CE1, pour que ces apprentissages soient consolidés avant la classe de CE2. Et donc cela sera porté par un effort de 5000 fonctionnaires d'enseignement supplémentaires recrutés. Et on sait qu'il faudra aussi trouver des solutions avec les collectivités territoriales, parce que ça nécessitera aussi des locaux. Et ce sera tout l'enjeu, priorité absolue du quinquennat d'Emmanuel Macron, si tel est le président, l'éducation et l'éducation prioritaire. Merci. Concernant cette question du nombre idéal d'élèves par classe, j'ai envie de dire d'abord qu'il n'y a pas
d'école standard, selon qu'on a une école à 2 ou 3 classes, ou parfois classe unique d'ailleurs, et une école à 15 classes, il est évident que le fonctionnement est totalement différent. De même, il n'y a pour moi, pour nous, pas de classe standard et de nombre idéal d'élèves. Maintenant, il est évident que la qualité de l'enseignement dépend aussi du nombre d'élèves qu'on a devant soi. Donc la question est plutôt une question qualitative qu'une question quantitative. D'ailleurs, il y a un certain nombre de rapports de la Cour des comptes, présidés par Didier Migaud, qui disent clairement que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de répartition de moyens. Il faut rappeler les choses là-dessus. Et donc, quel est le bon nombre? Je rappellerai que, ceux qui s'en souviennent, Luc Ferry, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait essayé de faire en cours de CP des classes à 12 élèves. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. L'important, en fait, c'est derrière ça l'apprentissage de la lecture. Et je trouve que le quinquennat qui vient de s'achever, le fait d'avoir fait priorité à l'école et à l'école primaire surtout, pour moi, est vraiment une chose importante. Et je trouve que aussi le fait d'avoir dit qu'il fallait avoir plus de maîtres que de classes était malheureusement un beau slogan qui n'a pas eu sa traduction sur le terrain, si ce n'est dans les zones REP et REP+, donc dans l'éducation prioritaire à certains endroits où effectivement ça a été mis en œuvre. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, avec François Fillon, nous devons donner effectivement plus d'autonomie aux établissements, aux collèges et aux lycées, pour mettre surtout en place des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté. Et ça, là où c'est le plus important, c'est évidemment dès le plus jeune âge. Et donc, au niveau de l'apprentissage de la lecture, c'est d'ailleurs pour ça aussi que François Fillon propose de mettre l'école obligatoire à partir de 5 ans et éviter des choses à ce niveau-là, au niveau des difficultés qui s'accumulent et qui ensuite ne permettent pas de suivre une sorte de scolarité normale. Et enfin, je terminerai pour dire qu'il faudra développer les outils numériques et permettre aux enfants handicapés aussi de trouver toute leur place à l'école. En fait, je ne suis pas instituteur comme certains ici. Mais par contre, je me souviens que l'école normale d'instituteurs qui a été créée au 19e siècle, il me semble, il y avait jusqu'à 40 élèves dans les classes. Donc je pense que la bonne question, ce n'est pas le bon nombre d'élèves en classe, mais la question, c'est combien de nationalités, combien de gens, combien de communautés dans une école. À partir du moment où vous laissez rentrer les revendications communautaristes, vous avez 10, 20, 12 ans de nationalités dans une classe, je crois qu'il est extrêmement difficile pour un professeur d'enseigner ce que le souci en fait est fondamental. J'aimerais bien juste pouvoir développer la chose. Le droit du maître à se faire respecter, à discipliner, à se faire respecter devrait être évidemment un béaba. Le maître propose aussi port de l'uniforme, ce qui devrait convaincre un certain nombre d'adultes. Je parlais d'un maître sûr de son savoir, ça évitera peut-être d'envoyer des jeunes professeurs dans des zones totalement ensauvagées. La vraie participation des parents à l'éducation serait aussi évidemment une chose importante. Enfin, l'apprentissage de la langue, de la syntaxe, de l'orthographe et de la littérature me semble être évidemment des choses essentielles puisque la moitié du temps d'enseignement doit être donné aux Français. Juste constater que mon voisin d'extrême droite a l'indignation sélective, puisque quand il parle d'un trop de langues parlées dans certaines classes, je connais un certain nombre de leaders d'extrême droite régionalistes qui se battent, eux, pour l'alsacien dès la maternelle et l'enseignement de l'allemand. Je trouve que ce n'est pas ça, monsieur le cher, l'école de la République, ce n'est pas ça. Alors oui, l'école de la République, pour Benoît Hamon, c'est un engagement dans la continuité des 5 années. Je me félicite que le responsable d'En Marche le souligne et que même Frédéric Reiss le note, à défaut de s'en féliciter totalement, mais le note, qu'il y a eu un vrai effort de fait sur les questions d'enseignement, de recrutement d'enseignants, et que cet effort, il va continuer à être poursuivi. Il a vocation à se poursuivre et même à s'amplifier. L'engagement de Benoît Hamon et de ses alliés, c'est un engagement extrêmement fort sur l'école de la République, avec un travail fait, et on parlera culture, je crois, tout à l'heure, mais sur la lecture publique et la possibilité pour chaque enfant, dès son entrée à l'école primaire, d'avoir un abonnement
dans les bibliothèques municipales. Et ce n'est pas de rejeter, de renvoyer à d'autres responsabilités, les collectivités territoriales, les responsabilités de l'éducation. L'éducation, elle est nationale. Il peut y avoir une autonomie des écoles sur les enseignements pédagogiques, et notamment dans des enseignements un peu novateurs, mais il ne peut pas y avoir d'autonomie des écoles, des établissements, dans le recrutement des enseignants ou des professeurs, parce que ça, c'est des écoles à deux vitesses, monsieur Reims, monsieur Stuart, c'est des écoles à deux vitesses, parce que demain, dans les quartiers ou dans des territoires ruraux peu attractifs, eh bien, on aurait des enseignants de seconde classe ou de troisième classe, et dans des écoles ou des établissements de centre-ville huppés et plutôt prospères, eh bien, on aurait le choix et les moyens de ces enseignants. C'est pas ça pour nous, l'école de la République. Deux choses très rapidement. Je ne voulais pas répondre là-dessus, mais ça m'a fait bondir. Enfin, sur le lien entre l'origine des élèves et le climat de la classe, ça se voit tout simplement que vous ne connaissez rien. Je pense qu'il n'y a pas de lien, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de lien, c'est accentué à l'école, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas de relancination communautariste, c'est ça. Et madame Gambas, madame Michardot, je vous rappelle juste votre passion, effectivement, pour détruire l'identité nationale et alsacienne pour la mener. Bon, on était censé apprendre la politesse à l'école, je vois que c'est pas le cas pour tout le monde. Non, juste un cas tout à fait particulier, je disais avant, je suis dans deux lycées différents cette année. J'ai un lycée, là où j'ai des classes de 25 élèves, avec des origines multiples, un lycée où j'ai 35 bons petits alsaciens. Je vous garantis que la qualité de l'enseignement en classe et le climat en classe provient effectivement du nombre d'élèves et pas de l'origine, de ceux-ci. Parce que c'est important sur l'autonomie, on entend tout le temps ça, c'est un désastre. Il ne faut absolument pas aller vers l'autonomie des établissements, qui va en plus avec un affaiblissement de la carte scolaire, vers la mise en concurrence des établissements les uns avec les autres. L'école doit être républicaine. Si je fais un circuit, l'école doit être républicaine, l'école doit être égalitaire. Et pour ça, il faut une école la même partout, pas une autonomie. Et, Bernel parlait avant de l'autonomie au niveau des programmes et des cycles, même cette autonomie dans la réforme du collège. Les enseignements, pas des programmes. Par les programmes salariés dans la réforme du collège, ou par exemple les enseignants de maths. Le programme qui avant était par classe au collège, maintenant c'est chaque lycée qui détermine en quelle année on va faire telle ou telle chose qui est au programme. Je suis dans un lycée-collège cette année, il fusionne avec un autre collège. Les groupes d'enseignants ne s'étaient pas mis d'accord pour organiser la même année tel ou tel enseignement. Et du coup, tout est à refaire, tout va passer, certains enseignants vont passer à la trappe. Et un élève qui déménage. C'est trop lent, hein. Après, non, c'est les réponses, c'est une phrase ou deux. Alors après, là, on a un peu débordé au début, mais sinon, on ne pourra pas aborder tous les thèmes. Et de manière générale, après, vous ne pourrez plus parler aux dernières questions si on fait un peu des monologues de 2 minutes. Bien, pour répondre très rapidement, moi j'ai été recruté, ce qu'on appelle sur profil, c'est-à-dire j'ai rencontré mon chef d'établissement pour aller en ZEP. 4 ans après, je suis encore. Aujourd'hui, il y a une enseignante qui arrive cette année qui a été nommée. On ne l'a pas vue depuis septembre, parce qu'elle a eu peur de venir là où on travaille. Donc l'autonomie, c'est aussi parfois de faire confiance aux ressources humaines et aux qualités des personnels de direction de gérer leurs ressources humaines. Et ce n'est pas que les enseignements ou les programmes. Ça, c'est un autre débat, on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer là-dedans. Mais un cas concret, moi, ça fait 4 ans que j'y suis, j'ai été recruté sur mon profil. Voilà. Juste une phrase là-dessus, parce qu'on a parlé de plein de choses au niveau de l'école. Je voudrais quand même dire, pour ceux qui prônent l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire, il y a une réforme des rythmes scolaires, et je trouve qu'il n'y a jamais eu de réforme aussi inégalitaire sur notre territoire. Merci encore sur vos aides sociales. S'il faut les réformer en France, et si on les réforme, comment on reprend la côté gauche avec le dernier genre. Alors, plutôt que de parler d'aide sociale, je voudrais qu'on parle de protection sociale. On l'a dit tout à l'heure en parlant de services publics, il y a aujourd'hui des fractures extrêmement importantes dans la société.
entre les territoires, mais il y a aussi des parcours qui ne sont plus du tout linéaires aujourd'hui. On va vers une augmentation de la précarité dans les contrats de travail, des parcours de vie et des parcours professionnels saccadés, avec parfois des interruptions extrêmement fortes. Alors oui, il faut revoir le système de protection sociale, c'est évident. Et Benoît Hamon propose quelque chose qui a pu passer un peu inaperçu pendant cette campagne médiatico-politique à faire, qui est la question du revenu universel d'existence. C'est quoi ? C'est pas un gadget. C'est pas un gadget. C'est de permettre, eh bien, très rapidement, à tous les salariés, ouvriers, les étudiants, soit étudiants, soit en formation professionnelle, soit en apprentissage, eh bien, toutes les personnes qui ont un salaire net inférieur à 2200 euros net par mois, eh bien, de bénéficier de ce revenu universel d'existence, de manière à pouvoir, eh bien, faire des choix de vie, faire des choix professionnels en toute autonomie. Et je crois que l'allocation autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui aujourd'hui n'émargent sur rien en matière d'aide, eh bien, est une vieille revendication de plus de 20 ans d'âge. C'est pouvoir faire des choix professionnels sans qu'ils soient dictés uniquement par la question salariale. C'est aussi redonner du pouvoir à la négociation salariale dans les négociations collectives, et c'est extrêmement important. Et je crois que ça, c'est le socle du projet de protection sociale, du nouveau projet de protection sociale que portent Benoît Hamon et ses alliés. Si je vous dis que la solidarité nationale doit être réservée aux Français, ça ne surprendra personne. Il serait temps de mettre fin à différentes prestations sociales si généreusement versées, notamment par nos amis socialistes. Je pense notamment à l'aide médicale d'État, à l'accueil des migrants étrangers dans l'Espagne. Ça représente 2 milliards par an. Alors, on laisse crever la gueule ouverte. Voilà. Je dis on va l'appellation en public. Un certain nombre de propositions sociales sont dans le programme de Marine Le Pen, notamment une vraie politique nataliste par famille française, une revalorisation du minimum vieillesse, une prime au pouvoir d'achat pour les bas revenus en dessous de 1500 euros ainsi que pour les petites retraites, une baisse de 5% des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, la sécurisation aussi des dépôts, des comptes d'épargne des Français, puisque grâce à la loi Sapin, l'Union européenne peut éventuellement mettre la main basse sur le bas de laine grâce à l'Union européenne. Voilà, je pense que, encore une fois, dans la solidarité nationale avec les Français, ça pourra peut-être fonctionner. Alors, concernant les aides sociales, il est évident que dans ma pays politique, on ne croit pas du tout à la possibilité d'un revenu universel tel qu'il est prévu par M. Hamon. Effectivement, il s'agit d'aider aujourd'hui les plus fragiles par l'effort de tous, et nous sommes nous aussi persuadés que cette solidarité nationale, cet effort collectif, participe également au redressement de la France et pas seulement l'économie. Alors la question qu'on peut se poser, la pauvreté a-t-elle baissé en France ces dernières années ? La réponse est non. On a entre 5 et 8 millions de pauvres sur notre territoire. Alors évidemment, après, ça dépend un petit peu où on place le seuil de pauvreté. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le chômage gangrène notre société. Et il y a même des travailleurs pauvres. Et donc, il s'agit de rendre les aides plus efficaces. Il faut aider les gens à reprendre un emploi, parfois même à temps partiel. Et nous pensons que les revenus du travail doivent être toujours supérieurs aux revenus de l'assistance. Et c'est pour ça que François Fillon propose de regrouper à la fois donc le RSA, l'ASS, d'autres, la prime d'activité, l'allocation logement, en une allocation unique. Et à côté de ça, on propose également d'augmenter les petites retraites. Et ça, c'est un problème aussi majeur dans notre pays. Merci. Bien, merci. Alors, la priorité pour En Marche, c'est quand même temps que la réforme des aides sociales, parce qu'on s'accorde tous à dire apparemment ici qu'il faut, il faut les réformer, ces aides sociales, parce que c'est la question. Il y a
priorité d'En Marche et de s'attaquer au fait qu'il y ait des gens qui ont besoin de ces aides sociales. Voilà. Et que par exemple, si on prend la question du RSA, la priorité c'est quand même de s'attaquer aux causes qui font que presque plus de 2 millions de personnes aujourd'hui touchent le RSA. Et que la priorité absolue du programme d'Emmanuel Macron, c'est le travail. Emmanuel Macron s'est voulu dès le départ le candidat du travail. On a un objectif, c'est à la fin du quinquennat d'arriver à 7% de chômage. C'est un chiffre qui est annoncé, sur lequel on s'engage. Charge après aux électeurs de vérifier si on a bien fait le travail en 2022. Pourquoi ? Parce que. Écoutez, moi, ça fait un an que je fais la politique En Marche, donc laissez-nous au moins l'idée qu'on ne va pas se résigner à la fatalité d'avoir un chômage de masse. Voilà. Donc, notre objectif, notre priorité, c'est de s'attaquer aux raisons qui font que les gens ont besoin aujourd'hui d'aide sociale. Donc, on a tout un tas de mesures pour s'attaquer au chômage, notamment un gros effort sur la formation professionnelle. L'idée aussi, c'est vrai, on le met sur la table, qu'à un moment donné, certaines des aides sociales, ce sont des droits, en face, il faut avoir un certain nombre de devoirs. Donc si on forme mieux les gens, effectivement, on est dans l'idée qu'on ne peut pas refuser un certain nombre, au-delà, plus de 2 offres d'emploi décentes. Et ensuite, mais oui, mais on le met sur la table, après vous choisirez, messieurs dames. Et puis enfin, il y a quand même des choses très précises aussi, par rapport aux plus fragiles d'entre nous, parce que les aides sociales, c'est aussi ça. Et donc, Emmanuel Macron s'est engagé à augmenter le minimum vieillesse, l'allocation solidarité aux personnes âgées aujourd'hui, et l'allocation à l'adulte handicapé. Merci. Merci. Alors, pour le programme de la France Insoumise, évidemment, vous doutez bien que je ne pourrais pas tout résumer en 2 minutes, mais vous tenez merveilleusement bien, nous sommes dans une librairie, vous pouvez tout acheter pour 3 euros notre programme. Allez, c'est bien joué. Sur quelques mesures, à titre d'exemple, la première que je voudrais citer, c'est la création d'un plan personnalisé contre la pauvreté qui prenne en compte la situation concrète et globale des gens qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, si vous connaissez des gens qui sont vraiment, vraiment en difficulté, pour avoir un boulot, il faut un logement, mais pour avoir un logement, il faut un boulot, et on attend 3 semaines pour avoir un rendez-vous avec l'assistante sociale, parce que les rythmes même de l'administration, parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, on y revient, ne sont pas du tout adaptés au rythme des personnes qui sont dans le besoin, et donc il faut vraiment recruter des fonctionnaires chargés de s'occuper des services sociaux, et prendre en compte les situations concrètes des individus, et pas être simplement sur un rythme administratif qui est le même pour tous. Pas de minima sociaux en dessous du seuil de pauvreté. La France est plus riche qu'elle ne l'a jamais été, et on peut se le permettre. Il y a des milliards dans les poches des actionnaires. Aujourd'hui, on peut se permettre de donner, que ce soit pour les retraites ou pour les minima sociaux, rien en dessous du seuil de pauvreté. Et l'idée du revenu universel, dans l'absolu, effectivement, j'ai rien contre, mais je me rends compte que c'est un revenu universel qui n'est pas universel. On a eu 5 versions depuis le début, alors là tu l'as dit, revenu universel conditionné à des ressources, ce qui n'est pas universel, ensuite pour les jeunes, ce qui n'est pas universel, mais surtout, proposer un revenu en dessous du seuil de pauvreté, pour moi ça me semble juste indigne, vu que philosophiquement la question c'est de se dire on ne veut pas de pauvres, c'est pour ça que tout le monde doit avoir un revenu, on ne peut pas proposer un revenu universel en dessous du seuil de pauvreté. Merci. Juste une phrase, moi je voudrais qu'on nous explique aujourd'hui ce que c'est une proposition décente d'offre d'emploi et à partir de quel moment on dit cette proposition est acceptable ou cette proposition n'est pas acceptable. En fonction des qualifications dont vous disposez, en fonction du niveau de salaire qui était le vôtre avant et qui sera celui qui est proposé. Mais la principale priorité, c'est la qualification, c'est la formation des gens. On ne peut pas aujourd'hui avancer une proposition où on demanderait aux gens d'accepter des offres d'emploi pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. C'est pour ça que la priorité absolue pour nous, dans cette lutte contre le chômage, c'est la formation professionnelle avec un plan d'investissement de 15 milliards d'euros. Merci, on passe au thème suivant qui est aussi assez occupé dans la campagne, c'est la culture. Qu'est-ce qu'on change dans la culture en France pour avoir une offre actualisée ? On repart près du milieu avec vous, M. Reiss, pour changer un peu l'ordre. Bien, peut-être certains d'entre vous ont-ils écouté.
écoutez le discours de François Fillon à Strasbourg. Et vous avez un grand discours sur la culture. Alors la culture, évidemment, c'est notre socle, c'est le socle de l'identité française, et c'est aussi le socle de notre influence dans le monde. Alors, d'ailleurs, au début du quinquennat de François Hollande, je n'ai jamais compris, parce que la culture était un petit peu la tête de pont de la gauche, comment il a pu diminuer le budget de la culture. Bon, après, il a essayé de se rattraper, mais fondamentalement, au début, on a eu une baisse significative du budget de la culture, ce qui, de mon point de vue, était une erreur. Alors, la culture française, elle existe bel et bien, je le dis à mon voisin, et que je trouve que c'est avec, elle est marquée par sa richesse, par sa diversité, et que la langue française est vraiment quelque chose de magnifique avec la connaissance de l'histoire. Et d'ailleurs, les premières universités, l'Université de Paris a été une des premières universités de l'Occident, et on en est très fiers. La francophonie aujourd'hui est quelque chose qui est reconnu à travers le monde, et qu'il y a réellement une offre culturelle forte qui mobilise beaucoup de citoyens, les associations, les collectivités, et nous souhaitons évidemment utiliser la culture pour jouer dans la cohésion nationale et pour le rayonnement de la France. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer la conscience d'appartenir à cette civilisation européenne et avoir évidemment des actions dans nos écoles, dans nos musées, des actions sur nos territoires et développer tous ces réseaux de bénévoles et avec ça utiliser évidemment les outils d'aujourd'hui, à savoir la culture numérique. Merci. Vous pensez que je n'ai rien à dire sur la culture ? Vous pensez avoir le monopole de la culture, monsieur ? Je vais pas choquer la question. En fait, j'ai l'impression que bien souvent, les gouvernements confondent culture et animation, que ce soit d'ailleurs à Strasbourg, c'est une des spécialités. Donc, je rappelle d'ailleurs que le premier geste culturel du mandarin, du premier mandarin, c'est d'effacer une citation de Louis Ferdinand Céline dans la médiathèque Malraux. Premier geste culturel. La promotion du patrimoine historique et culturel, c'est inscrit dans la Constitution. On parlait tout à l'heure effectivement de la francophonie qui est renforcée justement l'influence de la France à travers les écoles et surtout les instituts français à travers le monde. On sait par exemple que l'Institut français de Carnot perd des crédits, c'est le cas dans de nombreux instituts français dans le monde entier. Développer le mécénat culturel, cela empêchera peut-être de vendre les bijoux de famille, de vendre nos patrimoines, nos monuments et un certain nombre de palais à des pays tels le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et ce meilleur soutien au patrimoine serait évidemment renforcé par ce développement du mécénat populaire. Enfin, un grand plan de création des filières des métiers d'art sera aussi créé. Merci. Alors moi, je voudrais parler de la culture, mais des cultures. Et je ne veux pas opposer, Benoît Hamon ne l'oppose pas, les cultures des quartiers, une culture, une sous-culture par rapport à une culture élitiste telle qu'elle est décrite par, en tout cas, mon voisin de gauche. Oh, l'autre voisin de gauche, à mon extrême droite, c'est pas de la culture dont on parle, c'est bien des cultures, les cultures qui font cette diversité, cette richesse de la France et qui sont appuyées dans le programme de Benoît Hamon. Pour d'abord encourager, en lien, non pas juste d'un domaine de l'État, mais en lien avec les collectivités locales, parce que il y a toutes ces cultures qu'il faut arriver à brasser au niveau des quartiers, dans la pratique culturelle aussi, qu'il faut encourager dès le plus jeune âge et la laisser accessible au plus grand nombre. Alors, monsieur Reiss, si dans un premier temps, le gouvernement de François Hollande a été obligé de baisser un peu son budget par rapport à ce qu'il avait dit dans sa campagne, c'est sans doute parce qu'on a récupéré un pays dans un état absolument lamentable et que pendant un temps, il y avait quelque chose à manager. Les cultures, c'est aussi protéger les artistes. Et Benoît Hamon s'engage extrêmement fortement pour protéger les artistes dans leur pratique culturelle, la diversité de leur pratique culturelle, mais aussi par rapport aux droits d'auteur. Je crois que c'est extrêmement important, notamment à l'ère du numérique. C'est toutes les cultures, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lecture publique qui est une part de la culture, des cultures, des pratiques culturelles.
c'est l'accès à l'enseignement des arts aussi, dès le plus jeune âge, et non pas réservé à une élite, mais ça demande des moyens, ça demande de ne pas faire de coupes franches dans les budgets et de pouvoir s'engager extrêmement clairement par rapport à toutes ces formes de culture. Merci. Une simple remarque, merci d'avoir illustré la communauté, l'actualisation, la alors, tout d'abord, pour situer notre état d'esprit vis-à-vis de la culture, aussi étonnant que cela puisse paraître, je vais citer un homme de droite, Winston Churchill, qui, alors qu'on lui demandait s'il ne fallait pas baisser le budget de la culture pour financer les efforts de guerre, il a répondu : si nous abandonnons la culture, si nous abandonnons la culture, alors pourquoi nous battons-nous ? Et la culture, c'est vraiment absolument fondamental, c'est ce qui fonde le lien social. Et aujourd'hui, il nous faut une réappropriation citoyenne de la culture. La culture, comme beaucoup d'autres domaines, est complètement gangrénée par le fric aujourd'hui. Regardez la valeur marchande de certains ouvrages d'art, valeur qui est complètement déconnectée pour les acheteurs d'un sentiment esthétique, mais c'est que les ouvrages d'art aujourd'hui servent de réserve de valeur pour les traders. Parce que pour une grande partie, elles sont défiscalisées, et contrairement à d'autres investissements dont on n'est jamais sûr, l'art ne perd pas de valeur monétaire. Donc aujourd'hui, l'art est une réserve de valeur, plus une chose dont il faudrait profiter. Tout au contraire, donc il faut sortir du tout fric dans l'art. Nous proposons de porter le budget de la culture à 1% du PIB chaque année. Il faut pérenniser et élargir le statut des intermittents du spectacle, parce qu'il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de culture qui se fait. Il faut élargir l'éducation artistique à l'école. Merci. Alors, là, je suis très très content de voir que tu as des références de gauche et de droite comme moi. Mais non, c'était une boutade. Alors, je vous remercie même de vous inviter pour ma culture française. Je pense qu'elle est d'un assez bon niveau. J'espère que je ne fais pas trop d'erreurs d'orthographe ou de syntaxe. Alors, l'État, il n'a pas à se désengager du financement de la culture, ça c'est clair. On est sur la sanctuarisation du budget. Mais ce n'est pas non plus à l'État d'actualiser l'offre culturelle, puisque c'est ça la question, M. Gérard, c'était comment actualiser l'offre culturelle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État n'a pas à laisser tomber les intermittents du spectacle, on s'engage à maintenir leur statut. Il n'a pas non plus à dire quelle culture ces intermittents ont à faire. Et là, il y a simplement l'idée que, avec les moyens qui sont aujourd'hui ceux des acteurs, par notamment Internet, il y a des énergies à libérer. Ces énergies à libérer, il va falloir aussi mettre en face des personnes qui soient capables d'y avoir accès. C'est toute l'idée de la consommation, et pour le coup, Emmanuel Macron n'est pas forcément toujours le candidat de l'investissement, c'est aussi le candidat de la consommation. Et sur la consommation culturelle, il y a une mesure très claire, c'est un pass culture pour tous les jeunes de 18 ans qui sera financé par les distributeurs et par les grands groupes d'Internet. Ensuite, la culture, on peut bien entendu améliorer sa consommation, mais ce qui est le plus important, c'est de permettre à chaque enfant de pratiquer sa culture. J'ai de la chance, je suis musicien, j'ai travaillé dans des orchestres professionnels, je sais à quel point la pratique culturelle ouvre au monde, ouvre à la diversité de ce qu'est l'humanité aujourd'hui, et clairement la culture française, c'est une culture qui est française, européenne et universaliste, M. Husser. Merci à la moitié de l'équipe qui prend le point de parole. Alors, M. Husser va être très en retard. Sinon, Mme Chardot est un peu en avance et la Chardot est à peu près. On va commencer avec vous du coup pour le thème suivant. Pas directement, mais c'est les retraites. À quel âge est-ce qu'on part à la retraite en 2022? On commence avec vous, du coup, Laurent Husser. Moi, je constate un truc, c'est très étonnant, je suis entouré de dinosaures qui parlent encore de gauche et de droite. Je pense que vous n'avez pas dû regarder les derniers ouvrages parus, par exemple, d'Alain Benoît, de Jean-Claude Guilly ou de Jean-Claude Michia, ou les articles de Laurent Bouvet, qui vous expliquent par A plus B que le clivage gauche-droite, c'est une aberration, c'est terminé, c'est mort, et que le clivage actuel... Dans trois semaines, vous en avez conscience, mais je n'ai pas l'impression, parce que l'open space de M. Macron, effectivement, symbolise parfaitement le clivage que je veux dénoncer. C'est-à-dire un souverainisme identitaire contre effectivement un mondialiste complètement déconnecté. Non, un universaliste, monsieur Husser. Un banquier
ouvert, effectivement, comme Jacques Attali, un nomade, comment on les dénonce il... Après, la question, c'est les retraites, alors on a vu comme ça. Donc, monsieur Hussard terminé, puis on parle des retraites. On parle des retraites. Donc là, je vois que entre les libéraux, vous pouvez de toute façon nous entendre très probablement sur les retraites, mais Marine Le Pen parle évidemment de revenir à la retraite et de garder la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une retraite pleine, de revaloriser le minimum vieillesse, qui est conditionné bien évidemment à la nationalité française, une prime de pouvoir d'achat pour les petites retraites en dessous de 1 500 €, qui sera financée par une contribution sur les implantations. J'avais tout à l'heure évoqué la sécurisation de l'épargne des Français face aux ponctions éventuelles que l'Union européenne pourrait faire. Et évidemment, rétablir la part fiscale des veufs et veuves que M. Fillon avait supprimée. Allez-y, François, vous pouvez parler. Très bien. Bien, alors la question étant de savoir est-ce qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans, ma réponse est clairement non. D'ailleurs, M. Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, il en était un certain moment en question et on a bien laissé l'âge de la retraite à 62 ans, tel que cela avait été voté. Il s'agit aujourd'hui de sauver le système de répartition à la française et revenir à 60 ans coûterait 20 milliards supplémentaires. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, il y a 40 ans, il y avait à peu près 3,2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2, 1,3 cotisants pour un retraité. Et nous sommes en période de croissance faible, nous sommes en période de chômage élevé, ce qui évidemment pèse sur notre système de retraite. Alors, durant le dernier quinquennat, on a avancé le nombre de cotisations à 43 années, mais à part les carrières longues, qui méritent de partir à la retraite avant, je crois que ce n'est pas un système qui peut être pérenne à l'avenir. Donc François Fillon propose de revenir progressivement à un système de départ à la retraite à 65 ans et qu'à travers ça, on aura des marges de manœuvre pour évidemment baisser les charges d'entreprise, ce qui est très important pour combattre le chômage. Il faut aussi prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, de la dépendance qui augmente, et il s'agit, ça a déjà été dit, d'augmenter les petites retraites. Et si on évoque les pensions des veuves, je voudrais quand même dire que cela a été fait en augmentant un certain nombre de pensions qui, entre-temps, sont restées stables. Et donc, aujourd'hui, il s'agit aussi d'aller dans le sens, il me semble être une injustice flagrante, c'est d'aller dans le sens d'harmoniser les retraites du privé et du public. Merci. Bien, merci. Alors, peut-on revenir à l'âge de départ à la retraite à 60 ans ? Aujourd'hui, il y a 37 régimes de retraite différents. Le projet d'Emmanuel Macron, qui est mis sur la table pour cette élection présidentielle, c'est qu'on universalise tout ça avec 1 euro quotidien, ouvre le même droit pour tous. Et qu'ensuite, vous parliez d'espérance de vie tout à l'heure, à l'instant. En fonction des métiers, l'espérance de vie, elle varie énormément. Et la variable d'ajustement aujourd'hui que l'on souhaite mettre en œuvre en négociant avec tous les partenaires, c'est cette espérance de vie en fonction des métiers qui sont exercés. Donc le départ à la retraite à 60 ans pour tout le monde, non, très honnêtement. Par contre, on a un ajustement à faire sur l'espérance de vie en fonction des métiers exercés. Bon, donc le programme de la France Insoumise, c'est retour à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Il est absurde, ou du moins totalement incomplet, de prendre en compte uniquement le nombre de cotisants par retraité, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est la productivité du travail qui est fait. Or, aujourd'hui, les 1,3 cotisants produisent plus de richesses du fait de l'augmentation du niveau des forces productives que les 3,2 cotisants d'il y a quelques années. Mais l'affaiblissement du régime de retraite, il ne faut pas croire que ça vient tout seul, c'est la loi du marché ou autre. Il y a une volonté planifiée de détruire le système de retraite pour obliger les gens de plus en plus à avoir recours à des complémentaires pour au final privatiser le système. C'est un plan des libéraux, ce n'est pas du tout une fatalité. On peut tout à fait retourner à la retraite à 60 ans parce que d'une part, de fait aujourd'hui, très peu de gens vont au-delà. Qu'est-ce qui se passe dans les dernières années de travail ?
les gens sont au chômage ou en contrat précaire, ce qui fait que les gens n'ont pas la retraite à 65 ans. Simplement, ils ne sont pas au travail jusqu'à 65 ans ou 62 ans. Simplement, ils sont précaires jusqu'à là, et après, ils ont une retraite qui est décotée. Donc le seul système juste, c'est de retourner à 60 ans, et c'est tout à fait finançable. Rien que si on assurait l'égalité salariale entre hommes et femmes, le surplus de cotisation permettrait de financer les retraites. Alors à plus, avec une politique de gouvernement, on c'est d'amplifier encore le compte pénibilité de manière à pouvoir amplifier le mouvement qui permet à certains de partir à la retraite à 60 ans et de maintenir la retraite à 62 ans. Mais il va plus loin. Il propose d'intégrer dans la même dynamique que ce qu'a déjà mis en place le gouvernement socialiste ces 5 dernières années, d'intégrer l'engagement associatif dans le calcul des trimestres ouvrant droit à des droits à la retraite. Il permet aussi entre conjoints de se faire des dons de trimestres de manière à pouvoir rééquilibrer dans un ménage entre celui qui a pu cotiser de manière parce qu'il a eu un parcours linéaire qui n'existe presque plus par rapport à le conjoint qui aurait un parcours moins plus saccadé et moins linéaire. Donc le don de trimestre qui permet encore une fois de répartir et d'aller vers plus d'équité au niveau de la retraite. Il propose aussi la revalorisation des minimums retraite et de ne pas faire ce que nous propose finalement Emmanuel Macron, qui est de favoriser socialement les parcours les plus linéaires. Ça n'existe plus d'avoir des parcours linéaires, sauf peut-être pour quelques très hauts fonctionnaires. Merci. Assez peu évoqué dans la campagne, je trouve que c'est l'écologie. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'urgence climatique et est-ce que c'est le nucléaire la solution pour la pollution en France? Comment ça se fait avec le nucléaire est-il une solution face à l'urgence climatique? Le nucléaire n'est pas la solution. Maintenant, il y a des centrales nucléaires qui fonctionnent, qui sont régulièrement inspectées par l'autorité sur le nucléaire et qui nous permettent aujourd'hui de produire une quantité d'énergie non négligeable qui est décarbonée. Il y a un engagement d'Emmanuel Macron par ailleurs de fermer les 5 dernières centrales à charbon qui existent aujourd'hui. Par contre, c'est pas la solution. La solution, ça va être la transition énergétique pour sortir du nucléaire. Et là, je vais revenir au fait qu'il y a 15 jours, jour pour jour, on fêtait l'anniversaire, non pas du traité de Rome de la CE, mais des traités de Rome et du traité Euratom, qui a permis à la France, avec ses partenaires européens, de trouver des solutions pour ce que beaucoup pensaient à l'époque être la solution, c'est-à-dire le nucléaire civil. Aujourd'hui, on a bien conscience que le nucléaire civil n'est pas la solution, et que c'est avec nos partenaires européens, dans le cadre d'un plan d'investissement à l'échelle de l'Europe, qu'on trouvera une bonne solution pour assurer notre transition énergétique, pour aller vers plus d'indépendance, plus de sobriété et moins de pollution. Merci. Alors, ma première réponse est un petit peu la même, en disant que le nucléaire, c'est une des solutions qui permet de répondre à l'urgence climatique, et tout le monde s'est passionné d'ailleurs pour la COP21, avec un certain nombre de conclusions qui malheureusement sont mises à mal aujourd'hui à travers le monde. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut développer les énergies renouvelables, et en tant qu'habitant du secteur de Luxembourg, la géothermie profonde est aujourd'hui une des solutions propres qu'il faut absolument développer. Je suis aussi tout à fait favorable à ce qu'il y ait des engagements pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte, qui a été initié par le ministère de l'écologie, et je dois dire que sur le terrain, on a plutôt des résultats qui vont dans la bonne direction. Alors, François Fillon s'engage très clairement pour aller vers une économie décarbonée, ça c'est une évidence, et qu'il veut éliminer les énergies fossiles dans la production d'électricité. Ceci dit, on a beaucoup de vecteurs de développement, par exemple dans le domaine de la méthanisation, il y a un certain nombre de projets
qui ont été annoncés. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu la progression qu'on aurait souhaité. Il y a 350 millions de tonnes de biodéchets en France et seuls 3% sont valorisés pour la production d'énergie. Donc il faut restructurer la filière nucléaire, il faut évidemment concerner l'autorité de santé nucléaire et que les centrales soient réellement en bon état de fonctionnement et que, avec ça, François Fillon souhaite redéfinir le nouveau mix énergétique pour les années à venir. D'entendre mon collègue de chez Macron vous expliquer, vous parler d'indépendance alors qu'il est à 100% européiste et que Bruxelles empêche justement l'indépendance de la France, notamment à travers certains traités et par rapport à l'attaque que subissent les marchés européens en termes de concurrence. Marine Le Pen s'est déplacée dans une centrale nucléaire, a rencontré des gens d'EDF, insiste justement sur l'importance de cette indépendance énergétique. Le nucléaire est l'énergie pour le moment la plus sûre et la moins polluante. Elle souhaiterait effectivement que EDF reste 100% public, tout en maintenant et en sécurisant de plus en plus les centrales nucléaires, puisque vous savez que EDF a lancé un grand programme qui s'appelle le grand carénage, qui a coûté 50 milliards, et que ce programme doit évidemment être poursuivi. En ce qui concerne les filières d'énergie renouvelable, je pense que la question du patriotisme économique sera évidemment aussi importante pour ces énergies. Le discours sur le nucléaire est totalement irresponsable. Et c'est un discours irresponsable, complètement, au regard des enjeux environnementaux et de santé publique que je viens d'entendre. Benoît Hamon fait le choix, lui, d'aller vers une sortie du nucléaire à l'horizon 2025, progressivement, et de manière intégrée, en accompagnant la transformation de nos centrales nucléaires et en permettant la reconversion à la fois des salariés qui travaillent sur site, mais aussi d'aller vers un mix énergétique extrêmement, extrêmement fort et extrêmement responsable. On sait aujourd'hui, et de manière extrêmement sûre, que les nouvelles centrales nucléaires sont des gouffres financiers et produiront de l'électricité extrêmement chère. Et on sait que les anciennes centrales, comme Fessenheim, on ne va quand même pas ici faire abstraction de Fessenheim, sont des bombes à retardement, soit là à très court terme, soit à un peu plus long terme, en tout cas pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et Benoît Hamon va plus loin parce qu'on parlait tout à l'heure de nouvelles centrales. C'est une facture d'électricité beaucoup plus chère et ça accroît la précarité énergétique. Et monsieur Hussière, si vous baladez dans certains quartiers strasbourgeois, eh bien vous sauriez que cette précarité énergétique, c'est un problème extrêmement important pour les ménages, et pas que strasbourgeois, dans les centres urbains, mais aussi dans la campagne et en ruralité. Parce que, et donc Benoît Hamon met sur la table en matière de rénovation urbaine et thermique 100 milliards d'euros de manière à pouvoir pousser sur cette rénovation urbaine et thermique. Merci. Je ne crois pas que Benoît Hamon propose de sortir entièrement du nucléaire à l'horizon 2025. Il propose de réduire la part en 2025. Pour l'instant, aucun scientifique ne sait dire qu'on veut sortir en 2025. C'est beau cette entente entre gauchistes. Alors, après cette première intervention, nous proposons d'avoir une France 100% énergie renouvelable à horizon 2050. Ça se fera par le biais d'une planification écologique, parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire, il ne suffit pas d'appuyer sur off pour que les centrales nucléaires s'arrêtent, ça prend du temps, ça créera beaucoup plus d'emplois de créer la sortie du nucléaire, il ne faut pas dire que les gens seront au chômage le lendemain, il faudra les démonter, etc. Aussi, il faut arrêter de dire que le nucléaire permet une indépendance française, c'est du blabla qui ne veut rien dire, en France il n'y a pas d'uranium. Ça crée de graves dangers géopolitiques,
Pour ceux qui suivent un peu, la crise du Mali qu'on a eu il y a quelques années, tout ça vient, c'est parce que la région tout entière a été déstabilisée du fait des mines d'uranium Kariba à la frontière entre le Mali et le Niger. Donc non, il n'y a pas d'indépendance française en termes nucléaires, et oui, ça crée des désastres géopolitiques, en plus des risques zéro qui n'existent pas. Je vous rappelle qu'en 1999, la centrale de Blaye a failli péter. C'est en France. Donc, planification écologique pour arriver à une France 100% d'économie renouvelable en 2050, ce qui va par la diversification des ressources énergétiques, par une grande activité de sobriété énergétique, notamment par le renouvellement du parc urbain et l'isolation massive. Par un retour à l'agriculture paysanne, il faut savoir que le plus gros émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture. Il faut donc retourner à l'agriculture des paysannes et diminuer la part de protéines carnées dans notre alimentation. Et c'est que de cette manière, en planifiant, et je rappelle que la planification n'est pas un gros mot, sous le général de Gaulle, il y avait un commissariat au plan, ce n'est que par une planification qu'on arrivera à une sortie du nucléaire et à diminuer radicalement les énergies carbonées. On va passer aux questions internationales. Comment la France et l'Europe, en fait, ça faisait dans les relations diplomatiques, ça a pas mal changé ces derniers jours avec les frappes américaines en Syrie. Comment ça se passe avec vous, Laurent Lucard, parce que c'est un peu le temps de parole en face. En tout cas, la France ne pourra sûrement pas peser dans la contamination si on reste au sein de l'Union européenne. Puisque mes confrères sont tous d'accord sur ce point-là, je rappellerai évidemment que nous sommes contre l'Union européenne, et non pas contre l'Europe, que nous sommes bien européens, nous sommes pour une Europe des nations, une coopération entre États, sans soumission à une structure paramétatique ou fédéraliste. Les États sont autonomes, souverains, et justement, ça sera un bon moyen pour créer des nouvelles coopérations. On l'a vu, Marine Le Pen est allée au Tchad, elle est allée au Liban, elle est allée en Russie, pour ne pas se soumettre à qui que ce soit, mais pour créer des nouvelles potentielles coopérations. La France est très, sera très attachée à un monde multipolaire, à une nouvelle puissance, et ça sera une voie. Une voie indépendante dans le conseil d'administration. Et l'euro ? Merci, on passe comme vous voulez. Et l'euro ? Peut-être vous voulez encore, vous avez retenu ? Merci. C'est bon, monsieur Arès. Bon, pour cette question personnelle, et chez nous, on ne comprend pas comment certains peuvent prévoir de sortir de l'Union européenne. Certes, l'Europe aujourd'hui est un projet européen qui patine, elle est souvent décriée, et on met en cause la surtransposition de beaucoup de directives européennes en France. Mais globalement, on a aujourd'hui une Union européenne qui nous protège, et quelque chose de tout simple, c'est quand même grâce à l'Union européenne que nous vivons en paix depuis 1945. L'urgence, c'est l'Europe doit nous protéger des menaces de tous ordres et qu'à travers l'Europe, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut avancer sur le plan climat, qu'au niveau du commerce mondial, on doit trouver toute notre place et que, par exemple, l'agriculture, qui est un pan important de notre économie, doit être évidemment trouver toute sa place au niveau de la politique européenne. Derrière ça, il faut de l'innovation, il faut de la compétitivité. Et je pense sincèrement que l'Europe peut être la réponse à de nombreux défis qui sont devant nous. Pour relever ces défis, la première des conditions, c'est que le moteur franco-allemand fonctionne de nouveau à plein régime, ce qui n'a malheureusement pas été le cas ces dernières années. Et il faut une Europe souveraine, une Europe qui doit respecter les nations, mais qui défend notre civilisation et qui est capable aussi de nous défendre face aux intérêts des USA, de la Chine, de la Russie, de l'Inde. Il faut pour ça redéfinir évidemment Schengen, mettre fin ensemble à la crise migratoire avec une sécurité qui est garantie à l'aube de nos armées et que effectivement chaque pays s'engage à engager 2% de son PIB pour nos armées, pour les armées. Il s'agit de renforcer la gouvernance de la zone euro et c'est à travers ça qu'on pourra protéger nos intérêts économiques dans la compétition mondiale. Merci.
Je vous souhaite qu'on prépare un peu de parole générale, et après, vous pouvez répondre à la fin. Toujours fait comme ça. Ça ne marche pas. Ah, bon, super. Pour bien, merci. Comment l'Europe peut-elle peser face aux autres puissances mondiales? Aujourd'hui, notre choix est clair. En approfondissant la coopération européenne. C'est une conviction extrêmement forte. Alors, si on reste ce qu'on est aujourd'hui au niveau de l'Europe, un marché, alors ça ne donnera pas beaucoup plus de poids pour peser dans, face aux autres puissances mondiales. On parle de sortir de l'Europe, sortir de l'euro, mais avant l'euro, le franc était vassalisé au Deutsche Mark. On avait les yeux rivés sur les cours du Mark pour savoir comment est-ce qu'allait évoluer notre économie. Alors certes, l'euro n'est pas une monnaie parfaite. C'est pas ce qu'on dit en marche. On dit qu'il y a nécessité d'aller plus loin. On propose au niveau de la zone euro, un gouvernement de la zone euro, un parlement de la zone euro, parce qu'on a envie d'approfondir notre coopération. Mais bien entendu que en sortant de l'euro, on se retrouverait vassalisé à une monnaie beaucoup plus puissante encore, sur laquelle on n'aurait plus aucun moyen d'agir. Donc clairement, notre choix, c'est de mettre les pays qui souhaitent aller plus loin autour d'une table pour refonder l'Union européenne, avec l'idée aussi que pour que l'Europe pèse plus face aux autres puissances mondiales, il va falloir que les Européens se sentent davantage européens. L'Europe, ce n'est pas qu'un bouclier, ce n'est pas qu'une protection, c'est aussi un sentiment, c'est aussi, nous en Alsace, je crois, notre ADN. Des propositions très concrètes pour renforcer la sensibilité de l'Europe. Il faut que les Européens se sentent protégés. On s'engage à passer d'une force pour la protection des frontières de 1700 hommes mobilisables à 5000 hommes mobilisables. On s'engage sur une Europe des projets. On parlait tout à l'heure de la transition énergétique. Projet de coopération sur la sécurité intérieure et extérieure avec les pays qui voudront aller plus loin avec nous. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de protéger les Européens, alors notre contrat social ne reposera plus sur aucun socle. Et pour faire référence par rapport à la question de l'éducation qu'on a abordée tout à l'heure, on veut aller plus loin sur la question de l'Erasmus en ouvrant la possibilité à un quart d'une classe d'âge de partir dans un pays européen et à créer un statut européen de l'apprenti, là aussi pour rendre l'Europe sensible, parce que c'est notre conviction, c'est notre avenir, l'avenir de la France, c'est l'Europe et c'est la Méditerranée. Bon, alors, j'entends parler d'Europe comme d'un fétiche. L'Europe en tant que telle, ça ne veut rien dire. Les Romains ont fait l'Europe, Charlemagne a fait l'Europe, et ben, je ne suis pas pour l'Europe des Romains, je ne suis pas pour l'Europe de Charlemagne, et je ne suis pas pour l'Europe du capital telle qu'on l'a aujourd'hui. La question précise, c'est comment peser, comment l'Europe peut peser. On peut peser. Il faudrait commencer par ne pas s'affaiblir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui affaiblit l'Europe? C'est les traités européens qui existent. C'est la guerre économique qui est institutionnalisée entre les peuples européens, avec l'obligation de la concurrence complètement faussée, l'interdiction d'une harmonisation sociale et fiscale, c'est dans les traités. La possibilité, dans le TSCAG, le traité que François Hollande avait dit qu'il refuserait et qu'il a accepté sans changer une seule virgule, la possibilité pour un pays de porter plainte contre un pays devant la Cour européenne de justice s'il ne respecte pas les 3% de déficit, disait le traité, c'est dedans. Donc il faut sortir avec ces traités pour créer une autre Europe que celle qui existe aujourd'hui. Notamment par la fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. On est le seul espace monétaire au monde où il n'y a pas de direction politique dans la gestion de la monnaie. Il faut dévaluer l'euro pour arriver à la parité initiale entre l'euro et le dollar, ce qui était souhaité à la création de l'euro. Il faut mettre en place un protectionnisme solidaire pour éviter le dumping social. Il faut mettre une harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Europe. Et il faut une refonte de la PAC pour sortir des critères purement productivistes et permettre une autonomie alimentaire de l'Europe. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra avoir une Europe des peuples qui ne soit pas simplement l'organisation d'une guerre intestine entre les peuples. Merci. Rappelez d'abord que François Hollande a été le chef d'État le plus clair vis-à-vis d'un dictateur sanguinaire comme Bachar el-Assad pour condamner ses exactions. Mais je comprends, M. Hussert, que quand on va chercher son chèque chez Poutine, on a du mal à prendre position par rapport...